De la houle qui pousse encore à la hausse et du vent de nord ce midi sur la Canoë. Bonjour à toutes et à tous, en un temps qui est variable, pas d'averse en vue, la température extérieure est à 22 degrés, la température de l'eau est à un petit 21 degrés, cet après-midi un temps variable, une température à 24 degrés. On est sur une marée qui est actuellement en train de finir de descendre, le plein bas est à 11h30 avec des coefficients de 74, et sur cette fin du descendant, là, pleine marée basse, on a le vent qui s'est quand même bien levé au nord, il est nord, un tout petit peu nord-ouest, il est modéré, à soutenu presque, il y a quand même 2 à 3 beaux-forts au bord, 3, un petit 4 sur le large, vous voyez les parasols, et sabotage. Et donc on a un plan d'eau qui est ridé clapot au bord, clapot, il y a quelques moutonneries sur le large, les faces de vagues sont ridées, et la houle elle pousse encore à la hausse, j'ai vu quand même deux grosses séries pendant tout le temps où j'ai fait les images là. Une houle longue de 11 secondes de période orientée au nord-ouest, pas jolie, multipique. À la hausse, il y a 1m20 en déferlement régulier, 1m50 sur la plupart des séries. Et par moment, il y a quand même des grosses séries qui tournent aux alentours de 1m80 et qui balayent le spot, qui balayent le plan d'eau. Parce que là, avec la marée qui est descendue, ça décale beaucoup et ça ferme, ça barre presque un peu sur les spots quand il y a les grosses séries à 1m80. Mais j'en ai vu que deux en une heure de temps. Et ce qu'on voit, c'est que les bancs de sable, ils sont pas géniaux, hein, parce que les vagues qui déroulent longtemps, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc c'est des vagues en pic, la barre est facile à franchir, parce qu'il y a quand même des accalmies, mais les vagues sont à réserver pour des surfeurs intermédiaires. Il y a quelques personnes à l'eau qui attrapent des bouts, il y a quand même quelques vagues qui a déroulé. Là, on voit le spot en face du Banana Surf Shop Café and School, la Canoë Surf Club, où il me semble que c'est la vague qui déroule le mieux, là, à l'inside. Et là, on voit la centrale, vous voyez là, la grosse série à 1,80. Là, il n'y a pas trop d'ouverture. Hein. L'évolution pour le reste de la journée, la bouée du Cap Ferret est montée à 1m70 et 8 secondes, à mon avis, c'est son pic. La houle va être à 1m50 à la mi-journée, devrait se tasser un petit peu cet après-midi. Alors, vu que le vent est déjà levé, là, à mon avis, il va bien prendre cet après-midi, même si la marée monte. Prévision à 13h, 1m50, houle de nord-ouest, 11 secondes de période, vent de nord-nord-ouest 3-4. Et à 17h, 1m20, 1m50 plutôt, hein. Houle de nord-ouest, 10 secondes de période, avec un vent nord-nord-ouest, 3 à 4 beaux-forts, voire un peu plus fort. Bon, thématique multipique, peut-être qu'avec la marée haute, ça cassera, c'est certain même, ça déferlera plus proche du bord, il y aura quelques bouts peut-être à surveiller, mais thématique multipique en place. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h. Merci.